Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un test Bon Appétit. On va venir tester ce petit tampon. Enfin, petit, il n'est pas si petit que ça. En fait, il est même très gros. L'embout est gros, mais le contenant est petit. Vous me suivez? Bon, bref. Toujours en silicone. Premier test, pas mal. Assez souple. Alors là, c'est une petite vitre. Qui est bizarre parce que ça a l'air de bouger. Et en effet, vous voyez, quand j'appuie sur l'embout, ça bouge. Bon. Bizarre. Donc, je vais venir prendre deux plaques. Une que j'ai déjà testée à plusieurs reprises, que je sais qu'elle marche très bien. Et une nouvelle, qui est celle-là. Donc, je vous mets les annotations des plaques si ça vous intéresse. Et vous aurez les liens en barre d'infos. Et voici la plaque que j'ai déjà testée plusieurs fois. Donc, je sais qu'elle marche très très bien. Je vais venir prendre un vernis noir à stamping, la petite raclette et le petit rouleau pour nettoyer le tampon. Je me sers plus que ça pour nettoyer les tampons. C'est vraiment très très bien, ça évite d'agresser en fait votre tampon. Donc je vous les conseille fortement. Alors on y va sur la plaque dont je connais très bien. Premier motif. Alors c'est bizarre, est-ce qu'on en appuie? On sent la plaque qui bouge en vert, mais bon, ça marche plutôt pas mal, vous voyez. Premier motif, réussi. Deuxième motif, avec les petits détails de rose. Alors là, ça n'a pas très 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 bien stampé. Bon, on va faire un autre, plutôt pas mal. Alors là, j'ai appuyé un peu trop fort, du coup les traits ne sont pas très droits, mais ça fonctionne. Je vais changer de couleur de vernis, car je l'avais déjà expliqué, des fois, les tampons ne marchent pas pour toutes les plaques. Donc là, j'ai voulu tenir la plaque en vert pour voir si ça a changé quelque chose. C'était bizarre que ça bouge, et c'est la cata. En fait, il ne faut pas tenir. Vous voyez, je n'ai pas tenu, ça marche beaucoup mieux. Avec mon tampon préféré fétiche, vous voyez le motif, est quand même beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, on continue. Donc c'est pour ça que j'aime bien ma petite collection de tampons parce que il en faut quoi. Alors on y va pour notre motif. Ouais, alors là, ça n'allait pas du tout, mais pas du tout. Et voyez que mon petit tampon fétiche que je vous mettrai en barre d'infos, ça a bien 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 fonctionné. Une déco plus petite. On va changer de vernis parce que le blanc, il fonctionne du feu de Dieu. Et là, impeccable. On ne peut rien dire, c'est impeccable. L'autre motif, impeccable aussi. Alors c'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas trouvé de tampon comme mon fétiche en loupe. Ça aurait été vraiment le summum. Voilà l'autre motif qui n'avait pas super bien marché tout à l'heure, en plusieurs couleurs, ça fonctionne très bien. Aussi, allez, un peu de noir, impeccable. On revient sur la petite plaque qu'on ne connaît pas. Avec le vernis blanc que je sais que ça marche à tous les coups. Et bizarrement, ça fonctionnait mais plus sur le milieu que sur les bords. J'ai fait exactement pareil avec mon tampon fétiche. Mon tampon autre loupe qui a plutôt bien marché. Mais alors celui-là, bon, mais bizarre. Hein. Donc celui-là, c'est vraiment le must. Et j'ai un embout noir aussi, vous voyez, c'est impeccable. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!